Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Ce soir, c'est la 21e émission de Game Onitron, votre rendez-vous de jeux vidéo et de culture geek tous les lundis de 21h à 22h. Alors ce soir, émission qui est plutôt chargée. Après les news et les jeux de la semaine, on parlera d'un excellent jeu sorti sur PS Vita. On vous le fera découvrir, il est sorti il y a 2 semaines environ. Ça s'appelle Danganronpa Trigger Happy Havoc. Et c'est sorti en boîte et peut-être en téléchargement, mais ce sera Pierre-Marie qui nous le dira ça tout à l'heure. Salut PM. Bonsoir. Très bien, impeccable. Oui, ça va bien, nickel. C'est toi qui nous parlera de ce très bon jeu que tu vas découvrir, parce qu'il n'est pas absolument pas connu. Je plaide coupable de parler de ce jeu. Exactement. On parlera après de Tales of Symphonia et de sa suite Dawn of the New World, puisque ça sort en HD cette semaine, exclusivement sur PlayStation 3. On reviendra sur ces deux jeux qui sont sortis déjà il y a fort longtemps sur GameCube, PS2 et sur la Wii notamment. On reviendra tout ça en long, en large et en travers, avec l'ami Benoît qui nous rejoindra par téléphone. Allô. Non, tu ressens pas à Benoît, Pierre. Ouais, mais je faisais une voix téléphonique. Exactement. On aura aussi un petit hommage à un compositeur que j'adore, un compositeur japonais, il s'appelle Hitoshi Sekimoto. Il est né le 26 février 1969 à Tokyo, c'est son anniversaire dans pas longtemps. On viendra sur quelques morceaux de ce compositeur que moi je trouve absolument génialissime, mais ça on vous en parlera après. Et en fin d'émission, notre rubrique coup de gueule, coup de cœur de la fin du mois. Et ça sera avec mes deux autres acolytes qui sont à côté de moi, Nicolas et Marc. Salut les gars. Salut. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Eh bien écoutez, si tout le monde va bien, si tout est ok, et ben c'est l'heure des actus. Les actus et les jeux de la semaine qui commencent avec le chiffre de la semaine. Marc, tu as la parole. Alors, vous avez les mains sur les buzzers? Ouais, ça va aller très vite. Hein. À fond. 2 millions. PS3, PS4, PS2, PS2. Non. Pas de, c'est pas une vente. Ah, c'est pas une vente. C'est un chiffre de vente. C'est une revente. Non. Le nombre de gens qui ont revendu leur PS4. 2 millions, c'est des personnes, c'est des joueurs. C'est des joueurs, oui. C'est le nombre de joueurs qu'il y a de connectés. Le nombre d'abonnés au PS Plus. Pas au PS Plus, non. De connectés, oui, ils sont obligés de se connecter pour le nombre d'abonnés ça. Au Xbox One, au Xbox Gold. Le nombre d'abonnés à FF14. Le nombre de personnes qui sont abonnés à FF14, ouais, non. Non. C'est un rapport avec un jeu? Avec un jeu, oui. Le nombre de personnes qui jouent en réseau à un certain jeu? C'est le nombre de personnes? À un certain jeu, on va dire un début de jeu, mais oui. Un début de la jeu. La bêta de FF14 sur PS4. Non. Ah, c'est pas lié à FF14 la du tout. La bêta de Elder Scrolls. Non plus. Est-ce que c'est lié à un MMORPG? Bonne question. Est-ce que tu as vraiment un chiffre, en fait? C'est une bêta, en tout cas. C'est une bêta. Qu'est-ce qu'il y a comme bêta ces derniers temps? Flappy Bird. C'est sur console ou sur PC? C'est sur les deux. Sur P et console. Ouais. C'est sur les deux. Une bêta. Twitch plays Pokémon, c'est ça? Non, c'est le nombre de joueurs simultanés. 2 millions. Ah non, en fait, le chiffre de la news. En fait, le chiffre c'est 3, pardon. Non, si, c'est bien 2 millions, c'est bien une bêta. Et le jeu est sur console et PC? Oui. Est-ce que c'est une bêta qui a lieu en ce moment ou est-ce qu'elle s'est arrêtée? Oui, en ce moment. C'est Titanfall, non? C'est ça, oui. C'est ça? Oui. C'est pas sur PC? Bravo, Nico. Si, si. C'est sur PC? Oui, oui, 360 et PC, c'est ça? Non, Xbox One et PC, voilà. Oui, ils sont bien sur PC. Mais c'est Nico, voilà, 2 millions Nico, de joueurs sur la bêta, donc qui est terminée d'ailleurs à ce jour-là, puisque le jeu sort. Il sort bientôt, je crois. Sort en mars ou en avril. Le jeu sort le 13 mars. Ouais, voilà. Il a préparé son dossier. Le jeu sort, attendez, je regarde sur mon iPhone le 13 mars. Ouais, si je dis pas de bêtises, Titanfall, c'est le jeu des créateurs de Call of Duty, des anciens d'Infinity Ward, ça, ouais. Qui font peut-être enfin un vrai jeu. Hein. Ça serait temps de. C'est pour Microsoft, mais je sais plus qui fait du jeu. Bon, peu importe, effectivement, le jeu a l'air assez prometteur en tout cas. Hein, pour les fans de FPS et qui en ont marre de jouer à de la chiasse, ça peut être pas mal de renouveler l'expérience. Titanfall, peut-être qu'on essaiera de vous en parler si on arrive à choper quelqu'un qui joue et tout. Ça peut être pas mal. Un titan idéalement. Exactement. Allez, alors la question de la news de cette semaine, il n'y en aura qu'une parce qu'on a pas mal de trucs à voir aujourd'hui. Alors c'est une news que moi j'ai vue aujourd'hui. Donc ça sera pas la semaine dernière que j'ai vu aujourd'hui. Quel acteur
participe à la conception d'un prochain jeu Mortal Kombat. C'est Kiefer Sutherland. Ouais, bien joué. Kiefer Sutherland, l'acteur Jack Bauer de 24 heures chrono qui prête sa voix à Snake dans le futur Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes et The Phantom Pain. Eh bien, l'acteur qui décidément a beaucoup de boulot en ce moment, puisque non seulement il tourne la saison 9 de 24 heures chrono, ça j'en ai parlé il y a quelques temps, mais en plus il participe au jeu Mortal Kombat. Alors pour l'instant on ne sait pas quelle est son implication. Ouais, il fait peut-être les voix d'un personnage, j'en ai aucune idée. Mais voilà, en tout cas, il participe au prochain jeu Mortal Kombat. Donc ça veut dire qu'il y a un jeu Mortal Kombat qui est en train d'être fait. Bah ça, il l'avait dit, les créateurs du nouveau Mortal Kombat, ils avaient dit qu'ils voulaient faire un nouveau jeu. Il avait clairement annoncé. Le dire et le faire, c'est deux choses différentes. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être. Donc, vu que c'était ma news de la semaine aussi. C'est bien parti. C'est vrai. Tu vois, on aurait dû la faire, comme disait Pierre-Marie tout à l'heure, on aurait dû la faire avant. Pierre-Marie, et toi, est-ce que tu as un truc intéressant à dire? J'ai trouvé que c'était une semaine un peu creuse en actualité, mais j'en ai quand même trouvé une. C'était creux. Harmonix, donc les créateurs de Rock Band, et des premiers Guitar Hero. Putain, c'est dur à dire, Guitar Hero. Ils annoncent un jeu appelé Chroma, et ce sera un FPS, en fait, où on devra tuer des ennemis en rythme et avec des instruments de musique. Voilà, donc ce sera un free-to-play, mais qui sortira exclusivement sur PC. Et probablement sur Steam, parce qu'ils se sont accoquinés avec les créateurs de Counter-Strike Global Offensive, je crois, ou Condition Zero. Enfin, ils sont accoquinés avec des gens qui ont fait un add-on de Counter-Strike. Et voilà. D'accord. C'est tout. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. juste un petit jeu, là, en une minute. 5,3, ça vous dit quoi? C'est une note? Non. Sur Game Boy. 5,3 c'était mensuration, mais c'est l'hiver, donc non, faut être. Non, on a fait ça la semaine dernière. 1 million. Hein? 100 millions. 5,3 millions? Ouais. Ou 5,4 à peu près. Hein. 5,3, 5,4. Ça vous dit quoi? C'est une réponse qu'on a donnée au chiffre de Marc tout à l'heure. Ouais, mais vite fait. PS4 vendu. Les ventes de la PS4 déjà dans le monde, hein, 5,4 millions. Et selon une analyse, par rapport au laps de temps depuis que la PS4 est sortie en Europe et aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, c'est de toutes les consoles PlayStation, c'est celle qui se vend le plus rapidement. C'est-à-dire qu'elle bat les ventes de la PS1, de la PS2 et de la PS3 sur le même laps de temps. Donc si elle continue à ce rythme-là, c'est mieux que la PS2. À voir. Ça à voir, parce que la PS3 aussi, hein, parce qu'on avait beaucoup critiqué la PS3 quand elle est sortie, mais elle a fait un meilleur démarrage sur ce laps de temps que la PS2. Ouais, c'est tant mieux. Ça veut rien dire. Et c'est un meilleur démarrage que la Wii U. Et, oui, largement. Très largement, la PS4 qui est sortie la semaine dernière sur le sol japonais, enfin. Ouais. Allez, on va passer à notre premier jeu. Et quel jeu? Danganronpa, Trigger Happy Havoc. C'est tout de suite. Reality slips far away. Fiction comes alive. We start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless. We've already begun. Yup, we are all one in the same. Never ever since we played the same game. So I listen to the world of right from wrong. Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream, maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running after life, trying to beat death. Walking in line between hope and despair, running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know beside your own. Doesn't really matter if it's on the same coin. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. That's the door, is the key. Danganronpa, Trigger Happy Havoc, qui est sorti sur PlayStation Vita il y a 2 semaines environ, dans l'anonymat le plus total. C'est sorti le 14 février également, il me semble. Ouais, le jour de la Saint-Valentin. Pour préciser la date. Et le jeu, il est très bon, mais déjà, qu'est-ce que c'est comme jeu? D'où ça vient? D'où ça sort? Pierre-Marie va tout nous. Alors, à la base, d'où ça sort? Ça sort d'un jeu PSP qui est sorti en 2010 au Japon. Uniquement. Sur PSP. Ensuite, ils ont fait une version Android et iOS, mais qui est aussi sortie qu'au Japon. Alors après, voilà, plein de...
plein de produits dérivés. Il y a eu le manga, le visual novel, l'animé. L'animé qui est très récent d'ailleurs. Il y en a pas mal en France qui ont connu que l'animé du coup, parce qu'ils ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait un jeu qui sorte. Donc c'est un peu dommage, surtout si ça suit exactement l'intrigue et que ça spoil les enquêtes et tout ça. Et voilà, qui est derrière Danganronpa, c'est pas non plus les moutons de 3 semaines, c'est Spike en fait, et c'est notamment des gens qui ont fait le jeu Conception Please Deliver My Child. Oui, c'est un jeu sur la couche. Connu dans le monde du jeu vidéo, mes chers enfants. Ils ont surtout fait si t'as beaucoup... pas fait Conception, t'as raté ta vie. C'est ça, Conception. Ils ont surtout fait beaucoup de jeux Dragon Ball Z, ceux qu'on fait Ultimate machin et tout ça. Ah oui, c'est pas forcément mais ils ont aussi fait Virtua Last Reward et 999, enfin c'est eux qui sont derrière le très bon jeu d'aventure, voilà. Point and click un peu hein, c'est quoi le genre exact de ces jeux là, c'est des visual novels, c'est des jeux d'enquête, comment on peut les qualifier? Après, déjà on va voir que Danganronpa et 999 et Virtus sont des jeux très différents. Mm-hmm. 999 et Virtus, c'était vraiment purement du jeu visual novel. Et en fait, Danganronpa, c'est aussi du visual novel, mais c'est beaucoup plus axé point and click. En fait, Virtus, c'est un mélange de visual novel et de ce qu'on appelle escape room. C'est-à-dire, on est dans une salle à huis clos, faut cliquer un peu partout, faut résoudre des énigmes pour sortir de la salle. Mm-hmm. Les escape room, il y en a pas mal de jeux en flash comme ça, où voilà, on est dans une salle et c'est du point and click. Alors que Danganronpa, il y a aussi une grosse partie visual novel, donc des dialogues, des choix dans les dialogues, mais il y a aussi toute une partie point and click, mais où là, on se balade de salle en salle pour chercher des indices, pour prendre des témoignages. Donc à ce titre, Danganronpa est quand même plus proche de Phoenix Wright que d'un Virtua Last Reward. Parce que voilà, c'est vraiment dans ce schéma enquête et ensuite procès, où il faut remettre les choses dans leur ordre. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, c'est plus proche d'un Phoenix Wright que de Virtua Last Reward. Donc voilà, alors l'histoire, hein, on va situer l'histoire rapidement. Vous incarnez Makoto Naegi, donc c'est pas un protagoniste neutre comme il y a souvent dans les jeux du genre, quoi, dans les visual novels. Là, c'est un perso qui a une voix, qui a une gueule, enfin c'est vraiment un perso bien personnifié. Et vous entrez en fait à Hopspeak Academy. Donc c'est un lycée, et Hopspeak Academy, ça veut dire l'académie du sommet de l'espoir. Donc voilà, ça fait vachement envie. Et en fait, ce lycée a une particularité. Si on y entre, on est sûr qu'à la sortie, on a un super boulot et tout. On est sûr que les demandes de recrutement affluent. Mais pour y rentrer, c'est très très dur, parce qu'il faut être le plus balèze, il faut être le meilleur, il faut être l'ultimate student dans un des domaines. Donc par exemple, on va se retrouver avec l'ultime élève modèle, l'ultime joueur de baseball, l'ultime championne de natation, l'ultime chef de gang de motards, oui, il y a vraiment de tout, l'ultime rédacteur de fanfic, donc vous imaginez le gros otaku et tout. C'est très, l'ultime pour ce qui est du design, c'est très typé manga, ouais. Hein, faut quand même le... C'est très typé manga, ouais, et franchement, dans le casting, il y a 15 élèves avant tout, en comptant le personnage principal, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez reconnaître un peu tout ce qu'on est habitué à voir, mais c'est très sympa, parce que c'est pas fait de manière trop poussive, et surtout les personnages réservent pas mal de surprises dans leur façon d'être. Mais on reconnaît bien les fameux, il y a du moé dans tous les sens, quoi. Il y aura de la tsundere, il y aura du fanservice, voilà. Et en fait, vous, ben, quel est votre talent pour être, ou en tant que Makoto, quel est votre talent pour être recruté là? Ben, en fait, le lycée organise aussi chaque année une loterie, et donc vous êtes le gagnant de cette loterie, et vous entrez donc en tant que ultime élève chanceux. Donc vous êtes juste là parce que vous avez de la chance, ou au contraire de la malchance, parce que à peine vous arrivez devant le lycée pour votre premier jour d'école que vous perdez conscience, vous vous réveillez dans une salle de classe, et là vous apercevez que toutes les fenêtres sont barrées, que vous pouvez plus sortir du lycée, que vous êtes coincé là avec 15 autres élèves. Et donc voilà, chance ou malchance. Et là, il y a une espèce de nounours bizarre, à moitié mignon et à moitié satanique au niveau de l'apparence, hein, parce qu'au niveau du caractère, il est complètement satanique. Et il y a une espèce de nounours bizarre, on sait pas vraiment si c'est un robot, si c'est un vrai animal ou quoi, c'est assez bizarre, qui vient et qui vous dit qu'en fait, le lycée, c'est le lycée du désespoir, que finalement, bah, vous êtes enfermé là à vie,
qu'il n'y a qu'une seule façon finalement de sortir du lycée, c'est de tuer un de vos camarades et de ne pas, pas se faire choper. C'est la seule façon d'en sortir. Le dernier survivant voilà, qui aura la liberté. Bah, voilà, c'est même pas une histoire d'ailleurs d'être le dernier survivant. C'est vraiment l'histoire en fait de tuer quelqu'un et de faire en sorte de ne pas se faire accuser. Mmh. Et en fait, après, donc à chaque fois qu'il y a un meurtre, après il y aura un procès. Après une enquête, voilà, il y a une enquête, un procès. En fait, si on trouve le coupable, eh ben c'est le coupable qui se fait exécuter et d'une façon qui correspond du coup à ses personnalités, tout ça. Et si on trouve pas le coupable, par contre, tous les autres élèves se font exécuter, ce qui est sympa aussi, sauf la personne qui réussit à sortir. Mmh. Et sachant que voilà, si Monokuma voit que c'est le nom de l'ours, je sais pas s'il l'avait dit, non. Si Monokuma voit que ça va pas assez vite, il hésitera pas à mettre des petites motivations sur la balance, comme vous montrer ce qui est arrivé à votre famille pendant que vous êtes à l'intérieur, ou alors menacer de révéler un secret qui peut être plus ou moins embarrassant selon les personnages, et les forcer à passer à l'acte. Voilà, donc voilà, le jeu se déroule en trois phases principales. Il va y avoir des phases où ce sera déroulement de l'histoire, mais ce sera pas de l'histoire bêtement linéaire, ce sera en fait de l'histoire où il y aura des parties, bon, déjà exploration, pour aller dans les salles et cliquer un peu sur tout pour voir les différents éléments, ce qui permet aussi de gagner des pièces qui sont un peu cachées partout, pour après acheter des cadeaux. Et aussi dans cette phase de déroulement, il y aura des phases de temps libre, où on peut aller parler à un des personnages et passer du temps avec lui. Un peu à la façon d'un Persona 3 ou Persona 4, je crois pas que c'était dans les deux premiers, mais là en fait on peut passer du temps avec les autres élèves pour augmenter son affinité avec eux, éventuellement leur offrir les cadeaux qu'on aura achetés comme j'expliquais précédemment. Et le fait de passer du temps, ça permettra de monter les liens sociaux, donc d'en connaître plus sur ces personnes-là, et de débloquer des talents qui seront utiles dans les phases de procès, dans les phases justement de procès après meurtre. Alors voilà, après un meurtre, il y a la partie enquête. Comme je disais tout à l'heure, un peu à la Phoenix Wright, on va se balader justement sur les lieux du crime en essayant de récupérer un maximum d'indices et de témoignages. De toute façon, vous ne pouvez pas commencer un procès sans avoir tous les indices. Bien sûr. Voilà. Le jeu vous bloquera pas dans un procès juste parce que vous avez oublié de cliquer sur un endroit. C'est pas possible de perdre comme ça. Quand vous voyez que Monokuma dit c'est l'heure du procès, arrêtez de chercher, bande de baltringues, voilà, vous allez tous dans la salle de procès. Et là commence la class trial, donc qui a lieu après chaque meurtre. Et c'est un procès. Et contrairement à Phoenix Wright, où on a les textes qui s'affichent bien l'un après l'autre, on peut les passer à son rythme, là, les procès se passent en temps réel. Donc il y a bien différents... différentes phrases où on peut stopper, mais les phrases déboulent non-stop et sont entièrement doublées. Quelque chose que j'ai trouvé assez patent dans les phases de procès, c'est entièrement doublé. Il y a de la voix tout le temps. Et là, on va avoir différentes façons. Bah, généralement, ça va être présenter une contradiction, mais on va pouvoir aussi se servir de ce que quelqu'un dit pour le balancer sur ce que dit une autre personne après, ou la même personne pour montrer qu'elle se contredit d'elle-même. Et voilà. Et donc, c'est plus dynamique que Phoenix Wright parce que c'est vraiment des phases d'action. D'ailleurs, il y a une difficulté réglable pour ces phases-là. Et les talents qu'on débloque avec les autres élèves serviront aussi dans ces phases-là pour rendre plus facile, pour donner des talents et tout. Et à chaque procès, à chaque chapitre du jeu, ils ajoutent des nouvelles phases de gameplay, et voilà. Le tout, alors, ça s'appelle Happy Trigger Havoc, parce qu'en fait, c'est un pistolet... Ah, Trigger Happy Havoc, oui. Ou, Trigger Happy Havoc, non, je crois que t'as raison. Hein. Peu importe. Et ça s'appelle comme ça, parce que c'est le fou joyeux de la gâchette, le bordel de la gâchette joyeuse, bref. C'est parce qu'en fait, vous avez une sorte de pistolet métaphorique, et c'est un pistolet qui vous permet de tirer des preuves sur les phrases qui apparaissent avec vous. C'est un peu comme les objections voilà. de Phoenix c'est Wright. C'est comme les objections, voilà. Sauf que c'est avec un pistolet métaphorique. Et il y a aussi plein d'autres petites phases qu'on va pas trop aller dans le détail, mais il y a une phase où, par exemple, un perso va se braquer, ce sera un mini jeu de rythme où faudra en rythme réfuter, il va balancer plein de trucs du style t'es qu'un connard, tu dis n'importe quoi, tu sais pas ce que tu dis, tu ne sais rien de Jon Snow, et il va falloir en rythme sélectionner ce qu'il dit et balancer, et sachant que voilà, ils rendent le truc de plus en plus arcade. Donc voilà, ça a vraiment une base de Phoenix Wright, mais ça part vraiment plus dans un truc un peu orienté action, dans un truc interactif. Et voilà, et concernant l'univers du jeu, je le trouve excellent. L'histoire est sympa, bah, les
les phases de procès sont bien, enfin les phases d'enquête et de procès sont bien aussi, parce que généralement dans les phases d'enquête on va pouvoir réussir à commencer à échafauder des théories. Mmh. Bon, même si on pourra pas toutes les balancer d'un coup, faudra attendre le déroulement du procès pour les balancer. Et voilà, c'est aussi impossible de résoudre l'enquête de A à Z juste avec la phase d'enquête, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaît qu'au moment du procès. Bien sûr. Il y a des choses qu'on ne dit qu'au fur et à mesure. Révélation. Et voilà. Et mention spéciale pour la fin des procès, où en fait on a un manga, on a une bande de manga avec des trous dedans, et en fait faut compléter les cases manquantes avec ce qu'on vient de voir pour le procès. Donc c'est un peu l'interro général, on fait une remise en situation, on repose les choses à plat, et voici comment ça s'est passé. Et voilà, c'est un jeu très imaginatif, il y a beaucoup de surprises, moi qui me laisse pas facilement surprendre. il y a beaucoup de bonnes surprises dans le jeu, le casting de personnages est attachant, donc voilà, je le conseille vivement aux amateurs du genre. Je pense que la Vita a enfin son gros équivalent de Phoenix Wright, et les amateurs de visual novel. Il est en anglais, le jeu. Voilà, par contre, il est complètement en anglais, et il faut un bon niveau d'anglais pour le comprendre, parce que va y avoir des fois des termes vraiment pas du langage courant, quoi. Donc c'est un peu ce qui est dommage pour ce genre de jeu, contrairement à Phoenix Wright où lui, oui, effectivement il est traduit en français. Tout ne sera pas simple si vous ne parlez pas bien anglais, mais bon, si vous avez réussi à faire des jeux comme Virtue ou comme Persona, il n'y aura pas de problème. Ça reste de l'anglais courant, quoi. Pas de l'anglais médiéval non plus. Ok. Voilà. Donc je le conseille vivement. Ouais, comme on l'a dit, c'est un excellent jeu. Et pour ceux qui réfutent l'anglais, il y a toujours l'animé, voilà, qui est de très bonne facture, avec en 13 épisodes. Avec des sous-titres français. Ouais, exactement. Allez, on va passer à notre jeu de la semaine, les seuls jeux de la semaine, tout simplement, les Tales of Symphonia. Tales of Symphonia et Tales of Symphonia Dawn of the New World. Alors c'est pour le premier épisode, ça fait un petit moment qu'il est sorti, c'était en 2004 sur Gamecube. Nous on l'a connu en France sur Gamecube. Il faut savoir qu'il y a aussi une version PS2 de ce jeu là qui n'est sorti malheureusement que au Japon, et il faut dire que c'est avec la version PS2 que sera fait la version HD qui sort cette semaine. Et il y a eu une suite à la plus surprise générale, donc Tales of Symphonia Dawn of the New World, qui est sorti sur Nintendo Wii fin 2009. Voilà pour les Tales of. Alors les Tales of, on ne représente plus la série, mais on a quand même quelqu'un pour nous parler de ces deux épisodes, puisqu'il est fan de Tales of Symphonia, tout simplement. Et c'est l'ami Benoît. Salut, comment vas-tu, Benoît? Tu nous entends? Vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'entend. Bon, c'est mieux. Petit réglage et c'est tout bon. Donc, comme je disais, tu es un grand fan des Tales of Symphonia. Et ben, écoute, donne-nous envie d'acheter les versions HD pour ceux qui n'auraient pas pu faire les épisodes d'antan. Ouais, de les faire acheter, ouais. Non, ben, c'est vrai que là, ce qu'il faut dire, pour ceux qui connaissent pas la série ou même ceux qui la connaissent, Tales of Symphonia, d'une part, c'est le premier épisode qu'on a eu chez nous. Comme tu l'as dit, qui est sorti en 2004. Après, c'est, je pense, quand on n'a pas, même si on a fait les autres, c'est peut-être le plus marquant, parce que scénaristiquement, c'est celui qu'on voit le plus de pâté. Il était sorti sur quelle plateforme?
Ils ont même inventé un terme pour ce jeu, de le Kratos. Donc quand on spoil les amis, donc c'est Namco a été jusqu'au bout. C'est une private joke entre Benoît et moi. Il con ce mec. Non mais c'est ça. Ouais. En fait, pour reprendre rapidement, Tales of Symphonia en fait nous raconte l'histoire d'un groupe de jeunes, on va dire, enfin surtout de Colette, on va dire, qui va être au centre de l'histoire, parce qu'elle va être désignée en tant qu'élue pour sauver un peu son monde, puisque il y a des cycles en fait sur le monde où qui va se dérouler, où justement le mana va qui est la source de toute chose va s'amener à périr un peu, et donc quand ça arrive, il faut qu'il désigne une élue qui est désignée par les anges un peu du monde, et qui doit faire un pèlerinage pour restaurer l'énergie. Donc ça va être un peu la première partie du scénario, donc ça fait très religieux, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et beaucoup plus poussé. C'est vrai le jeu est intéressant parce que on a vraiment des grosses surprises, et donc c'est vraiment un plaisir à faire. Après, pour ce qui est du gameplay, faut dire que le jeu commence à tâter un peu, donc c'est un peu rigide, on va dire. Au niveau des combats, forcément, si vous avez fait les derniers Tales of, on régresse un peu. Donc, mais après, il est vraiment, vraiment très propre à jouer. Et puis, il joue à plusieurs aussi. J'imagine que ça va en intéresser certains dans l'audience. Hein, PM ? Alors, il joue à plusieurs, mais il faut voir ce que ça donne, parce que moi, je l'avais testé sur GameCube, et il y avait la moitié des personnages qui étaient hors de l'écran. On voyait que le perso principal. C'est ça. Je sais pas s'ils ont corrigé ça sur les derniers, mais c'est vrai que c'était le gros problème à l'époque, parce que forcément, si ça centre que sur un seul personnage, bah les autres, ils se débrouillent, quoi. Et encore. Donc c'est vrai que c'est pas forcément pratique, mais s'ils ont réglé un peu ça, ça peut être sympa. Et après, faut dire que pour le jeu en lui-même, il y a des ajouts, quoi, puisque forcément, comme Mathieu, tu disais, la version PS2, nous, on l'a pas eu. Et donc avec cette version, ils ont rajouté des nouvelles compétences, donc des nouvelles attaques. Des nouvelles tenues, il me semble, il y a des nouveaux boss, donc c'est vrai que c'est avec je crois qu'il y a des cinématiques aussi qui ont été rajoutées, donc c'est vrai que même pour ceux qui l'ont déjà fait, ça peut être intéressant, même si après je pense que le côté lissage HD doit pas non plus être excessivement poussé, donc il va pas falloir s'attendre non plus à une refonte totale du jeu, quoi. Donc faut avoir envie de le découvrir, quoi. Mais entre les deux, forcément, vu, franchement, pour le prix et pour le fait que ce soit le package des deux, même si, sans parler, rentrer dans le détail du deuxième qui scénaristiquement y suit, mais c'est plus un spin-off dans le sens où il est vachement en dessous du premier, le complet vaut le coup d'œil, quoi. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'on parle vite fait du deuxième, mais même graphiquement, je trouvais que le 2, qui est quand même sorti en 2009, est moins joli que le Tales of Symphonia de base, quoi. C'est vrai que ils ont tenté de soigner un peu plus, mais c'est vrai que pour la Wii, pour l'époque, c'était un peu, on va dire, crade, et puis faut dire que ils ont retiré quelques trucs, en fait, dans le deuxième épisode. Il n'y a plus les déplacements sur la carte du monde comme le premier, même si après ça c'est un style particulier, hein, faut aimer ou faut pas aimer. Oui. Mais il y a ça, il y a le caractère du héros du 2 qui est un peu qui donne envie de lui mettre des baffes des fois. Moi c'est ce qui m'a fait lâcher. Autant Tales of Symphonia, j'aime beaucoup le premier parce que il est dynamique pour le scénario, etc. Il y a pas mal de rebondissements. Je trouve beaucoup bien meilleur évidemment que la soupe immonde que sont les derniers Tales of pour ma part. Et Tales of Symphonia, Dawn of the New World, le héros m'a fait quitter ma manette directement. Il est juste insupportable. Même si effectivement ça s'améliore au fur et à mesure du jeu, et puis après on aura des bonnes révélations. Et puis il y a Colette qui rattrape tout. Il y a quelqu'un qui rattrape tout, mais voilà, c'est vrai que le deuxième, par son personnage principal, effectivement, peut être un petit peu gonflant. Oui, et puis en fait, il faut dire qu'ils ont fait un peu comme pour ceux qui ont fait du JRPG récent, je sais pas, on va plutôt dire que c'est plutôt FF13-2 qui aurait pris le concept dans un sens, mais il y a un peu le même principe du fait que on a deux héros qu'on peut contrôler, bien qu'on voit aussi les personnages de Tales of Symphonia 1, du premier qui rejoignent un peu le groupe de temps à autre et qu'on peut utiliser à la fin, mais sinon on utilise des monstres, donc c'est sympa aussi pour le charisme de l'équipe quand on se promène avec un petit champignon ou une petite plante, c'est sympa pour se battre. Ça, c'est toujours la classe. C'est ça. Donc, si c'est des champignons après, comme dans The Last of Us, ça va, quoi. Ouais, mais c'est pas trop ça. Bon, après, c'est vrai qu'on va dire que l'avantage du deuxième, bon,
Là, ça va être plus compliqué parce que les jeux sont ensemble. Donc, ça veut dire que les faire à la suite va être un peu plus dur, sachant que le 2 est quand même un niveau en dessous. Mais c'est vrai que quand le 2 était sorti à l'époque, le principal intérêt, c'était que ça reprenait l'univers de Tales of Symphonia et ses personnages. Donc, c'était vraiment là pour les fans du premier. C'était vraiment un petit bonheur, même si on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux. Mais là, les avoir tous les deux, les faire à la suite, je pense qu'il va falloir s'accrocher un petit peu quand même. En arrivant au bout du premier, se dire, ah ouais, allez, on va faire la suite. Et là, oh, d'accord, c'est ça. Mais bon. Mais après ouais, c'est vraiment un bon jeu, c'est vrai qu'on en a peut-être un peu marre qu'ils nous sortent du jeu HD à toutes les sauces, mais sachant que là il y a un peu de contenu en plus et que il est vraiment pas excessivement cher pour les deux en combiné, je pense que pour ceux qui l'ont pas fait, c'est un bon choix. Et puis bah moi je sais que je j'hésiterai pas non plus à refaire au moins Tales of Symphonia premier du nom sans souci quoi. Ouais, non mais faut dire en plus de ça que The Symphonia ça reste quand même un très bon RPG, hein, en plus un très bon jeu de l'époque, hein, parce qu'effectivement tu disais que le gameplay aujourd'hui est un peu rigide, effectivement, parce que ça vieillit, hein, c'est date de 2004, tous les jeux ne sont pas aussi bons à l'époque qu'aujourd'hui, et surtout, enfin voilà, surtout qu'il a des personnages qui sont assez attachants sans être fantastiques, il a un scénario qui est assez dynamique sans être exceptionnel également, et c'est vraiment un petit plaisir à faire. Moi je sais que j'ai un très bon souvenir du jeu, ça fait quelques temps que je l'ai fait, mais j'ai un très bon souvenir du jeu. Ça se termine pas en queue de poisson à la fin, les méchants sont pas totalement débiles, il était quand même beaucoup plus intéressant que les derniers Tales of, en tout cas moi j'ai trouvé, d'un point de vue scénaristique. Après le reste peut être discutable, mais il est plus intéressant, beaucoup plus que les derniers. Enfin je compte même pas Xillia, parce que Xillia c'est une bouse immonde, mais pour Vesperia ou Grèce, je trouve qu'il reste quand même un petit cran au-dessus, quand même plus intéressant que ces deux jeux-là. Et Dawn of the New World, voilà, on va dire que ce petit bonus, c'est le DLC. C'est de Symphonia. La petite cerise, et encore une cerise à moitié pourrie sur le dessus du gâteau pour dire que vous en voulez encore. C'est le noyau et la queue, quoi. C'est celle de Koopama. Mais amusez-vous. Exactement. Écoute, je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. Benoît, si tu as un truc que tu penses. Non, bah c'est bon, moi je vous dis, hein, franchement, si vous avez envie, si vous l'avez pas testé, prenez-le, et puis sinon, après, les autres, on les emmerde, quoi. Et donc, ta conclusion, tu vas l'acheter? Moi, c'est déjà fait. J'attends juste de le récupérer, maintenant. Et un petit commentaire sur l'édition collector, peut-être? As-tu pris l'édition collector? Non, j'ai pas pris l'édition collector, parce que... Il a pas d'argent. Ouais, ça, c'est pas le souci, mais... C'est entre la Steelbox que j'ai pas forcément trouvé, après c'est des excuses on va dire, mais entre la Steelbox, les petites figurines, c'est du SD il me semble, et puis il y a l'OST où ils prennent deux CD sur chaque jeu, alors qu'en fait les OST sont bien plus complètes que ça, qu'on a forcément déjà à côté pour ceux qui aiment, donc c'est pas, franchement, moi j'ai jamais couru après toutes les éditions collector, certaines plus particulièrement, mais là c'est plus pour le plaisir de le refaire, quoi. Donc, et puis de toute façon, je suis sûr qu'il n'y en a plus de disponibles déjà, alors que je ne sais pas. Il n'y en avait plus de disponibles fin décembre déjà. Donc... Voilà, donc dans tous les cas, il ne faut même pas chercher à se poser la question. Ouais, ça c'est fait. Écoute, Benoît, je te remercie déjà. Tous ceux qui aiment la façon de parler de Benoît, sachez que vous pouvez le retrouver sur le site RPG France en tant que testeur des RPG japonais sur ce site, et exclusivement. Ouais, il y a Lightning Returns qui va arriver bientôt. Yeah, vous pouvez d'ailleurs le retrouver pour FF13 et 13.2 en test ces derniers temps. Est-ce que tu l'as fini, Lightning Returns? Je suis pas loin de la fin. Je pense que, juste pour pas spoiler, je devrais, si je m'y mets bien, je devrais réussir à finir en un seul tour. Pour ceux qui savent un peu comment il se passe, je pense pas avoir à refaire le côté timing d'un coup. Donc, je pense que je suis confiant, mais bon, il me reste encore 4 jours à faire, donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Je raconte ma vie là. Ouais, ça va, ouais. T'as mangé quoi hier sinon? On s'en bat. Merci en tout cas, mon ami Benoît. On te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère. Merci à toi, ciao. Allez, bisous à tous. Salut. Allez, à bientôt. Salut. Tchuss. Voilà pour ce qui était de Tales of Symphonia et de sa suite Dawn of the New World. J'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de le réserver, de l'acheter, qui sort donc cette semaine, le 27 et 28 février, c'est jeudi, vendredi, tout simplement. Alors, on va passer à un petit hommage pour un homme, un compositeur que j'aime tout particulièrement. Il fête son anniversaire dans 2 jours. Je voulais vous en parler avec quelques morceaux. Il s'appelle Hitoshi Sakimoto. Il est japonais. Et pour introduire son sujet, eh bien, on va lancer une musique qui est une de ses plus belles œuvres, et il s'agit du thème d'introduction d'un jeu qui est également mythique, de Vagrant Story, Hitoshi Sakimoto. C'est juste après ça.
comment introduire un immense compositeur du jeu vidéo japonais, Hitoshi Sakimoto, qui est né le 26 février 1969 à Tokyo. Il commencera à composer dès le lycée, et il composera notamment pour ses amis qui feront un jeu vidéo. Il va composer la bande originale de ce jeu, de ce petit jeu que les mecs ont fait ça juste pour eux, pour délirer. Et c'est à la fin des années 80 qu'il se fera embaucher. Véritablement, il me rentrera dans le monde professionnel. Évidemment, c'est un passionné de musique, hein. Et c'est en 93 qu'on écoutera pour la première fois bien ses compositions sur nos écrans avec le jeu Ogre Battle de Yasunori Matsuno sur la Super NES. Et donc Matsuno et Sakimoto, hein, c'est une grande histoire d'amour entre les deux, puisque je crois qu'à tous les jeux de Matsuno, on va retrouver Sakimoto à musique. Bref, c'est là qu'on va le voir. Ogre Battle sera une des figures assez emblématiques du tactique RPG au Japon, avec notamment sa suite qui s'appelle Tactics Ogre, qui sortira en 1995, toujours sur Super NES. C'est là où on va découvrir de plus en plus le talent de ce compositeur qui va se faire vraiment remarquer dans la scène vidéoludique. Et c'est, moi en tout cas, avec Final Fantasy Tactics, qui sortira en 1996 sur les PS1 japonaises, qu'on va cette fois-ci découvrir véritablement, pour un plus large public, l'immense talent de Sakimoto. Et on va d'ailleurs tout de suite s'écouter un thème de FF Tactics que je trouve très représentatif du compositeur, qui a une patte très très souvent très épique, en tout cas dans ses morceaux. Et j'ai trouvé que ce morceau qui s'appelle Apoplexie représente tout à fait le ton magistral de ce monsieur-là. On s'écoute ça. Voilà, en tout cas, le ton de son orchestre à Sakimoto, on retrouvera toujours un peu ce genre de sonorité. C'est ce qui fait toute la particularité du monsieur. Alors, on enchaîne ces jeux parce qu'il y a une énorme playlist. Il va sublimer le jeu Radiant Silvergun en 98, hein, le shoot'em up mythique. C'est lui qui fera les chansons, qui fera les compositions. Et quelles compositions! Vagrant Story après en 2000, hein, dont on a écouté un morceau juste avant. Non seulement le jeu est mythique. Non mais il y a du cul. Radiant Silvergun, c'est un immense shoot'em up. Vagrant Story, c'est un immense action RPG. Il fera des musiques, il va conférer toute son ambiance à ce titre. Il va travailler avec Yasunori Mitsuda, dont on a parlé il y a quelques émissions, sur le jeu Les Gaia 2. Alors là par contre c'est un petit peu moins glamour, mais les compositions étaient vraiment pas mal, surtout associées à un autre grand compositeur. Il va composer pour Breath of Fire Dragon Quarter en 2002 sur PS2, qui est un jeu qui a une ambiance quand même assez sombre, et il va adapter son ton justement à ce jeu, et ça a parfaitement marché. On le retrouve sur un Final Fantasy Tactics, mais FF Tactics Advance, sorti sur Game Boy Advance en 2003, toujours avec Matsuno à la réalisation. Ses musiques accompagnent également la traversée de Marche et de ses amis. On le retrouve sur un shoot'em up avec Gradius 5 en 2004, toujours sur PlayStation 2, et toujours pour Treasure, les créateurs de Radiant Silvergun. On le retrouve avec Stella Deus, il recompose pour du tactique RPG, hein, et je trouve que à chaque fois, le
voilà, son ton très épique va vraiment enflammer les combats, hein, véritablement, lors de ces jeux. Dans Stella Deus, il fera également un extraordinaire boulot. Moi, pour ma part, bon, je sais que Nico, je crois que de lui, c'est Vagrant Story, hein, que tu préfères. Mais pour ma part, l'OST que je préfère de lui, c'est sur Final Fantasy XII. Hein, je trouve que c'est la meilleure composition qu'il a donnée. Mais je ne dis pas que Vagrant Story, c'est de la merde. Bien au contraire, tu m'auras compris. Mais voilà, Final Fantasy XII, qui sort en 2006 au Japon, va totalement être génialissime avec ses musiques. Il va ensuite avoir un petit coup de cœur avec le studio Vanillaware, puisqu'il va composer en 2007 Odin Sphere, le jeu sorti sur PlayStation 2. On le retrouve après chez Sega avec Valkyria Chronicle en 2008. On le retrouve avec sur Vanillaware avec Muramasa The Demon Blade en 2009. Après, il y aura Valkyria Chronicles 2 en 2010, Dragon's Crown en 2013. Il y a d'autres compositions de lui, mais là, on a vraiment cité voilà, les principales. On va s'écouter, parce que c'est quand même un compositeur qui a beaucoup de talent et qui sait adapter aussi son ton de musique au jeu. On le retrouve pour Muramasa The Demon Blade, qui est un jeu typé japonais, hein, très médiéval japonais. On le retrouve avec son ton de composition adapté à l'époque. On retrouve bien dans ce morceau l'esprit Muramasa, le côté sonorité japonaise mélangé à son côté composition assez épique à Sakimoto. C'est ce que j'apprécie énormément avec lui. Alors évidemment, le meilleur moyen de découvrir, c'est de l'écouter. Nous, on va finir le sujet sur Sakimoto avec pour moi le morceau que je trouve le plus formidable de lui. Il s'agit d'un morceau de Final Fantasy XII. C'est le symphonique thème, le poétique symphonique thème de Final Fantasy XII. Que je trouve absolument génial. Je vous laisse l'écouter, le découvrir, le morceau de Sakimoto. J'espère que peut-être que vous écouterez, si vous aimez les musiques de jeux vidéo, le travail de ce monsieur. On s'écoute un dernier morceau pour le plaisir.
On enchaîne directement par notre dernière rubrique du mois, les coups de gueule et les coups de cœur de chacun. Je vais lancer Nico, parce que Nico, on n'a pas du tout entendu dans l'émission. Ça fait du bien, mais on n'a pas du tout entendu. Ouais, bah moi je vais être rapide, parce que j'ai juste un coup de cœur. Oh. J'en ai parlé la semaine, en plus j'en ai parlé la semaine dernière, c'est FF6 sur l'iPhone. Oh, je suis mignon, du coup, un vrai Popples. Non, parce que ouais, c'est un jeu que je connais par cœur, que j'ai fait plein de fois, mais je prends vraiment du plaisir à le redécouvrir sur l'iPhone. Tu n'y joues que d'une main. Voilà, c'est non, ça. Mais parce que sur iPhone c'est plus pratique, parce que c'est... C'est pas ce que vous croyez. Bon, j'aurais peut-être Surgeon Simulator en coup de cœur aussi. c'est un jeu où on doit. Un jeu où on est un chirurgien, mais on opère avec une seule main en fait. Donc c'est un peu. Enfin voilà quoi. Tu fais beaucoup de choses avec une main, toi, j'ai remarqué. La maniabilité est très bizarre. C'est un coup de cœur. Non, parce que c'est tellement con. C'est plutôt un coup de scalpel. Voilà, c'est un coup de scalpel. C'est un coup de con. Voilà. Ouais, c'est tellement débile comme jeu. Enfin bon. Non, mais voilà, c'est un FF6 sur iPhone. Très très bien. Je m'éclate bien à y rejouer. Bon, bah, tout ça c'est très sympathique. Toi, j'enchaînais par moi pour une fois. Coup de cœur, eh bien, cette. Tiens, c'est étonnant. Cette Lightning Return. Tiens donc, Mathieu, c'est incroyable. Depuis quand t'as des coups de cœur sur des Final Fantasy? Surtout le 13. Surtout le 13, surtout avec Lightning. Je déteste ce personnage. Donc, oui, donc mon petit coup de cœur du mois, cette Lightning Return. Parce que, bon, je l'attendais évidemment. Mais, voilà, j'aime beaucoup. Je prends plaisir à gambader non, ça te fait rire, pauvre connard. Ouais, je t'imagine avec une Lightning en petite tenue en train de courir dans les plaines dans les terres sauvages. Écoute, t'en es pas en petite tenue, je n'ai pas encore débloqué. Attention, Lightning, voilà mon behemoth. Non, voilà, non, j'apprécie, j'aime beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup l'audace qu'a eu le jeu. On a parlé dans le test la semaine dernière, je crois, ouais, c'était la semaine dernière, du jeu. Parce que, effectivement, il y a ce côté où il y a le temps qui défile, tout ça, et ça peut être un peu frustrant, mais bon, moi je le prends à contre-pied parce que justement ça me plaît. Je trouve que c'est plus immersif parce que c'est justement, on n'avait pas ça dans d'autres jeux. Je trouve que c'est une nouveauté qui est assez couillue, et moi j'apprécie parce que on doit jouer avec ça. Je suis pas frustré du tout sur le jeu quand un jour passe et que au final on se dit merde, j'ai pas fait grand chose. Je me dis que ça fait partie du jeu, ça permettrait de le recommencer pour faire ce que je n'ai pas fait, ou le lendemain je vais aussi à faire plein de trucs d'affilée, le jour d'avant non. Donc voilà, je trouve vraiment agréable, déjà pour le système de combat, tout ça je trouve vraiment plaisant, et puis j'aime jouer avec Lightning. Je trouve que le personnage est vraiment super sympa. C'est à dire que elle paraît froide et tout, mais en fait elle est plus maladroite qu'autre chose, et je trouve que ça lui donne un petit côté attachant et sympathique au perso. J'ai un deuxième petit coup de cœur. Alors j'ai enchaîné sur un coup de gueule parce que justement ça me plaît pas trop que le jeu soit critiqué justement parce qu'il a un compteur de temps. J'ai envie de dire, on met une espèce de contrainte dans le jeu, c'est de la merde, c'est de la folie, tout ça. Non, c'est juste qu'on était peut-être habitué à beaucoup trop de facilité dans le jeu. Et généralement ces jeux-là sont loin d'être mauvais, mais on leur met un truc et tout de suite ça sépare le joueur. Alors, j'arrive à le comprendre évidemment, mais je trouve dommage de pas prendre le jeu comme l'expérience qu'il est, parce que pour moi c'est une expérience avant d'être un gros jeu FF machin ceci cela. Et voilà, moi je prends du plaisir en tout cas, et c'est tout ce qui compte. Et voilà, j'ai un deuxième coup de cœur, c'est pour une série animée qui s'appelle Ixion Saga. Alors elle est pas très connue, moi je la regardais parce qu'au début je pensais que c'était une série heroic fantasy, tout ce qui est plus banal, et en fait c'est une série complètement barrée. Je m'y attendais pas du tout, c'est rempli de conneries. Je vous dis que le méchant se fait péter les deux boules, ces deux boules dès les deux premiers épisodes, parce qu'il est trop con pour viser le héros. C'est plein de conneries. Moi, je suis mort de rire à chaque épisode. Il y a 24 épisodes. Je m'attendais tout sauf à ça. On a un garçon qui vit dans notre monde, qui est plongé dans son monde de jeux vidéo. Mais ça inquiète pas plus que ça. Et je trouvais que c'est un gros délire. C'est à mourir de rire, en tout cas. Ixion Saga, si vous pouvez le voir, c'est vraiment super, super sympa. C'est mes petits coups de cœur. Pierre-Marie. Alors moi, ce que je veux dire, je vais un peu faire écho à toi.
Mais dans l'autre sens, en fait, mon premier, voilà, mon premier coup de gueule, alors c'était contre FF13. Alors juste pour rebondir, moi depuis la semaine dernière, je m'y suis mis. Et perso, moi, le chrono, ça m'a frustré. Donc je pense que c'est vraiment une question de goût et de caractère. Mais t'as pas de goût. T'as pas de caractère. C'est vrai, Lightning, c'est génial. Ça m'a frustré, notamment parce qu'on nous offre un super beau monde ouvert, plein de PNJ à qui parler, mais il y a ce chrono. Mais c'est pas contre ça que je suis remonté, parce que voilà, ça me motive pas pour l'instant à jouer au jeu, mais je pense que j'y aurai quand même. La partie qui m'a un peu agacé, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, si tu voulais vraiment tout voir dans le jeu, si tu voulais vraiment le faire correctement et voir la vraie fin, contrairement à ce qui est le cas de quasiment tous les autres jeux, là, pour voir la vraie fin, t'es obligé d'avoir le guide. Et je trouve que c'est pas une bonne pratique de forcer les gens à acheter un guide à côté. Parce que finalement, le jeu au final aura coûté. Si tu vas partout dans le jeu, tu te balades, tu le finis, tu peux le finir, mais tu passes à côté de plein de trucs. Pas lors de ta première partie, mais c'est tout. Mais bon. Voilà, mais moi, je l'ai le guide et j'ai pris le parti de faire le jeu sans le guide. Donc on verra bien où ça me mènera. Après Final Fantasy X-2, c'était encore pire que ça, puisqu'il fallait faire minimum 3 parties. Non mais c'est pas pareil. En New Game Plus pour arriver à 100%. Non mais d'accord, mais c'est pas la même chose que là. T'as, je comprends Pierre-Marie évidemment, mais là c'est que t'as un chrono, t'es limité par le temps, les journées passent quand même assez vite. Et lui il est frustré entre guillemets de pas tout voir. Mais c'est pas le temps. Je te dis c'est même pas le chrono, c'est vraiment ce fait que limite le guide soit imposé pour faire le jeu bien quoi. Moi j'aime bien me lancer dans un jeu et pouvoir le faire sans avoir tout le temps à me reporter un document à côté. T'es pas obligé de l'avoir. C'est ça que je comprends pas. C'est pas obligé. Mais on me dit que sans le guide, on peut pas avoir la vraie fin, on passe à côté de plein de trucs dans le jeu. Peut-être. Là, on a eu Benoît au téléphone. Oui. On a eu Benoît au téléphone. Tu peux lui demander. Qui le fait sans guide. Il est pas loin de la fin. Il nous dit lui-même. Je sais qu'il ne ment pas parce que de toute façon, il n'achète jamais les guides. Il n'en a rien à foutre. Mais c'est vrai. Ouais. On le connaît très bien. Il n'en a rien à secouer. Il joue au jeu. Il est pas plus intelligent, pas plus bonnet que toi. Et il le réalise très bien. Donc après. Mais on verra. Voilà, on verra. Il le finira. C'est juste que j'ai vraiment lu partout que. Contrairement aux deux premiers FF13, celui-là, apparemment, le guide était quasiment indispensable. Alors que les deux premiers, c'est un jeu où les quêtes principales et les quêtes annexes vont de corps. Tu sais que tu dois faire les quêtes annexes. T'es obligé. Donc, dans les quêtes annexes, t'as souvent besoin de guide. Mais là, je veux dire, les quêtes annexes, il n'y a rien de spécial pour les débloquer. Je veux dire, tu trouves les mecs qui se baladent, tu vois les petites étoiles au-dessus de leur tête, tu dis, bah tiens, il y a une quête annexe là, je vais l'activer. C'est à force de se balader. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est l'expérience et le fait que le jeu, justement, ne ressemble à aucun autre ah, d'ailleurs de par son concept. Mais là, ça peut frustrer je comprends totalement parce que c'est un peu particulier ça me frustre d'autant plus que derrière j'adore l'univers et même le système de combat je trouve dément avec plein de possibilités quoi. C'est vraiment une expérience, mais moi c'était cet aspect guide, donc voilà, moi j'ai pris le parti de le faire sans le guide. Peut-être que d'ici 2 ou 3 mois quand je l'aurai fini, parce que j'avance un peu à mon rythme, peut-être que là ce sera devenu un coup de cœur, on sait jamais. Et sinon, j'avais 2 coups de cœur du coup. Le premier, c'est sur une actu qu'on n'a pas abordée, c'est sur Twitch Plays Pokémon. Ça me fait délirer, en fait, c'est en gros 10 000 personnes qui jouent en même temps sur un même jeu de Pokémon, donc c'est l'anarchie totale. En fait, il y a un chat où on peut rentrer une des commandes de la Game Boy, Start, au bas, droite, gauche, A et B, et en fait, toutes ces commandes sont prises dans un émulateur qui montre en direct une partie de Pokémon, et c'est un délire parce que tout autour il crée un folklore, il vénère le dieu Fossil Nautil, enfin c'est parti vraiment dans un trip. Il y a des Pokémon qui sont des prophètes, d'autres des faux prophètes, enfin il réinvente tout un système politique et religieux, et voilà, ça dure comme ça depuis 10 jours. Ils en sont à leur 5e badge et on leur souhaite bien courage. 6 badges. Ouais, ils ont mis 4 heures pour couper un buisson, des trucs comme voilà. Le truc qui prend 2 secondes. Voilà, ils mettent 4 heures pour couper un buisson et ils mettent 3 minutes pour faire un puzzle super compliqué du jeu, quoi. Ça a aucun sens, mais c'est ça qui est marrant. Et l'autre. C'est pas frustrant, ça, tiens. Hein? Non, parce que faut pas le regarder, faut suivre à côté ce qui se passe. Bien sûr. Tu le regardes plus de 10 minutes, tu te fous une balle, c'est clair. Là, c'est de la frustration. Voilà. Et pour rebondir aussi sur de la frustration, un autre peut-être coup de cœur, c'est Yakuza 5 va peut-être, j'ai bien dit peut-être,
sortir en Occident. Sega avait, depuis le début, n'avait jamais annoncé qu'il sortirait. Ils avaient même dit que c'était sûr qu'il sortirait pas en Occident. Oui. Mais une rumeur court comme quoi Atlus America va peut-être localiser ce jeu aux États-Unis. Auquel cas, il sera en anglais. Auquel cas, on pourra le voir en Europe. Mais voilà, c'est à l'état de rumeur. Ça pourrait devenir un sacré coup de gueule s'il s'avère que ben Yakuza 5, cette série de RPG à moitié beat'em all, qui se passe RPG, voilà, action RPG beat'em all, qui se passe dans un Japon contemporain, voire médiéval pour certaines spin-offs. Mais voilà, c'est un univers très sympa, enfin moi qui me fait bien marrer. J'ai adoré le 3 et le 4 et j'aurais bien aimé voir le 5 avec tout ce qu'ils promettaient, toute la pub qu'ils ont fait autour, mais pour l'instant faut se mettre dans l'eau ou alors apprendre à parler japonais. J'avais oublié cette série, tiens. Vas-y, faut dire ce qu'il y a. Le 5 est sorti il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans. D'ailleurs, au passage, Sega a perdu ses droits sur le Shenmue. Ouais. Sur Shenmue, ouais. Ça m'a surpris. Même si à voir, affaire à suivre. Merci, écoutez, on va s'arrêter là. Hein, il est 10h05. Merci les amis, merci Nico, Pierre, Marie et Marc d'avoir participé. Merci au prophète Benoît, évidemment. Merci à tous, en tout cas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. On va parler de Castlevania Lords of Shadow, puisque le 2 sort cette semaine. On parlera de tout Castlevania, du studio Mercury Steam et de tout ce qui l'entoure. L'un d'entre nous sera un vampire. Donc rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous sur le site gameonitron.fr, sur notre page Facebook également et sur notre chaîne YouTube. D'ici là, amusez-vous bien et passez une très bonne soirée. Ciao, bye bye. Ciao. Salut. Kyori itai yubi de hajiku koi.